Température, compétition ou viewer, 2023 a encore été l'année de tous les records. On vous résume ça en 23 chiffres. Alors, on devrait vivre l'année la plus chaude jamais enregistrée en moyenne annuelle, avec 1,43 degré de plus que durant la période 1850-1900, selon Copernicus. La pop star de l'année, c'est évidemment Taylor Swift. Avec The Eras Tour, elle aurait fait 1,39 milliard de dollars de recettes entre mars et novembre. Le 30 octobre, Lionel Messi a gagné son 7e Ballon d'Or, ce qui fait de lui le joueur de foot le plus titré. Conflit en Ukraine, au Soudan, en République démocratique du Congo, crise humanitaire en Afghanistan ou en Somalie, jamais les chiffres des déplacés dans le monde n'avaient été aussi élevés. Le 6 mai, Charles a été couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster. Il a donc porté la couronne de Saint-Édouard, une pièce de 2 kg utilisée uniquement lors des couronnements, qui compte pas moins de 2868 diamants. Évidemment, on ne pouvait pas faire ce top 23 sans en parler. Depuis mars, l'âge minimum légal de départ à la retraite est passé à 64 ans. 7 comme le 7 octobre, date qui marque le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Grenouilles, saumons ou encore tortues, à cause du réchauffement climatique, un peu plus de 44 000 espèces sont menacées d'extinction. C'est environ 2000 de plus que l'année dernière, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic est devenu le joueur masculin le plus titré de tous les temps, remportant un 24e titre du Grand Chelem en septembre avec l'US Open. L'Inde a détrôné la Chine comme pays le plus peuplé en août, avec plus de 1,425 milliards d'habitants selon l'ONU. Le groupe américain Meta, qui détient notamment Facebook, a écopé en mai d'une amende record de 1,2 milliard d'euros pour avoir enfreint les règles européennes de protection des données personnelles. Dans la matinée du 24 juillet, le petit oiseau bleu emblématique du réseau social a été remplacé par un gros X. On peut donc dire que c'est la date officielle de la mort de Twitter. 2h35 petites secondes, c'est le nouveau temps à battre pour être champion du marathon. Distingué en février par le Guinness World Records comme le plus vieux chien du monde, Bobby, un rat féro, une race de chien dont l'espérance de vie normale n'excède pas 14 ans d'habitude, est mort à 31 ans en octobre au Portugal. C'est l'image qui restera pour nous, Français, de la Coupe du Monde de rugby. Joueur vedette du 15 de France, Antoine Dupont a été blessé le 21 septembre lors du match contre la Namibie. Opéré le lendemain d'une fracture maxillo-zygomatique, il a repris l'entraînement avec contact, 19 jours seulement après le choc. La demande pétrolière devrait franchir de nouveaux records en 2023 puis 2024, avec 102 à 103 millions de barils par jour. La vidéo la plus regardée en 2023 est celle de Nia Dolly, une créatrice de contenu et make-up artiste. Avec son tuto TikTok, elle a cumulé plus de 504,5 millions de vues. Entre mai et septembre, on a assisté à une grève inédite à Hollywood. Les scénaristes et acteurs américains demandaient une meilleure rémunération et un encadrement de l'intelligence artificielle. Cette grève a coûté au moins 6 milliards de dollars à l'économie américaine. Le Mont Blanc a rapetissé de 2,22 mètres en 2 ans. Une baisse attribuée plus aux effets de la météo qu'à la crise climatique, selon plusieurs chercheurs, à Libération. Une vente aux enchères de 1400 objets ayant appartenu au mythique chanteur de Queen Freddie Mercury a rapporté en septembre 40 millions de livres, soit 46,5 millions d'euros. Un record pour ce type de collection. Pour contrebalancer l'inflation, la Banque Centrale Européenne a relevé ses taux directeurs 10 fois d'affilée. Son principal taux a atteint 4% cette année, son plus haut historique, plombant la consommation, les investissements, le marché immobilier et in fine la croissance dans la zone euro.
Encore un record pour le youtubeur Squeezie. Plus d'1,3 million de viewers ont été enregistrés lors du GP Explorer 2, diffusé en direct sur Twitch. Enfin, on n'allait pas vous laisser sans ça. Le 16 décembre, Elisabeth Borne a utilisé pour la 22e fois depuis son arrivée à Matignon l'article de la Constitution lui permettant une adoption du texte sans vote de l'Assemblée.